Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous avez pu le constater, les retraités sont nombreux dans les manifestations organisées contre la réforme des retraites du gouvernement. La situation qui leur est faite depuis plusieurs années, mais particulièrement depuis l'accession d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, justifie leur colère. Une colère d'ailleurs qui ne se dément pas. Nous souhaitons rappeler le traitement qui leur a été infligé, vous faire part des raisons pour lesquelles ils sont inquiets pour l'avenir de leur pouvoir d'achat et de leurs conditions de vie, et vous faire part également des initiatives que les neufs ont l'intention de prendre pour faire valoir leurs revendications. Toutes les réformes que les retraités actuels ont connues n'ont eu visiblement qu'un seul objectif, réduire leurs droits. Prise en compte des 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures années pour le calcul des pensions, augmentation du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, report de l'âge d'ouverture des droits à la retraite, non-revalorisation des pensions, blocage des retraites complémentaires et plus récemment, l'augmentation de la CSG et la désindexation des pensions sur le coût de la vie. Les retraités, il faut également le préciser, ont ressenti douloureusement les campagnes répétées tendant à les faire passer pour des privilégiés, des nantis, des égoïstes, dont les revendications s'opposent à l'amélioration du sort des salariés actifs et donc de leurs enfants et petits-enfants. Quand on sait que la pauvreté frappe 8% d'entre eux. Le candidat Emmanuel Macron s'était engagé à protéger le pouvoir d'achat des retraités. Depuis 2 ans, leur pouvoir d'achat a reculé. Et la réforme annoncée ne laisse présager aucune amélioration, bien au contraire, et j'y reviendrai. Contrairement à un discours récurrent censé expliquer la colère des salariés comme celle des retraités, ce n'est pas le refus des réformes qui caractérise les Français, mais le rejet des mauvaises réformes. Qu'il s'agisse des restructurations dans les entreprises ou des réformes touchant la retraite, elles se traduisent le plus souvent par une aggravation des conditions de travail et de vie. Et c'est vrai, évidemment, pour les retraités. Les dernières mesures qui ont impacté les retraités en sont la preuve. S'il en fallait encore, que les intentions, la trajectoire, comme dit le président de la République, visent bien à un abaissement généralisé du niveau des pensions actuelles et futures. C'est la raison de notre implication dans le mouvement contre le projet de réforme des retraites. Il y a plusieurs façons de réduire le pouvoir d'achat des pensions. Le gouvernement les a toutes utilisées, il en a même inventé une nouvelle dans son projet de loi. La première a consisté à reporter la date de revalorisation des pensions, de janvier 2018 à avril, puis à octobre et enfin au 1er janvier 2019. De fait, aucune augmentation en 2018, alors que l'inflation a été au bas bout de 1,1% en 2017 et que les retraites complémentaires étaient bloquées. Ensuite, deuxième procédé, alourdir la fiscalité avec l'augmentation de la CSG de 25%. L'action des retraités à l'initiative de nos 9 organisations, avec notamment des manifestations et des rassemblements réunissant plus de 200 000 retraités le 15 mars 2018, a obligé le gouvernement à faire un geste. Seules les pensions supérieures à 1 200 € seraient soumises alors à l'augmentation de la CSG. Les autres étant considérés comme des retraités aisés. La poursuite de nos actions et celle des Gilets jaunes, où les retraités étaient nombreux, l'a obligé à repousser le seuil d'impact de l'augmentation au-delà du revenu fiscal de 2011. Enfin, troisième procédé, la désindexation des pensions du privé, contrairement aux lois de financement de la sécurité sociale en vigueur jusqu'à présent. Le gouvernement a ainsi fixé arbitrairement à 0,3% l'augmentation des pensions en 2019, alors que l'inflation s'est élevée à 1,8% en 2018. Même punition en 2020 pour un taux d'inflation évalué à 1,1% en 2019. Là encore, les actions des retraités ont obligé le gouvernement à accorder généreusement une augmentation de 1%, soit légèrement inférieure à l'inflation, mais pour les seules retraites en-dessous du seuil des 2 000 € bruts. Ce qui crée d'ailleurs 2 régimes spéciaux supplémentaires de retraite, étant à opposer les retraités les plus démunis à ceux qui le sont un peu moins. Pour un gouvernement qui justifie sa réforme au nom de la nécessité de supprimer les régimes spéciaux et également par l'égalité, c'est pour le moins contradictoire. Quant à l'argument selon lequel les mesures viseraient à privilégier les petites retraites, il ne vaut guère mieux. La désindexation des pensions en 2019 a réduit de 76% le bénéfice, entre guillemets, de l'annulation de la CSG pour les petites retraites, pour les pensions en dessous du seuil de 2 000 €. L'indexation en 2020 ne leur permettra pas de retrouver
le niveau de 2018. C'est l'art de prendre au plus démuni une partie de ce qu'on leur a pris préalablement pour justifier qu'on pénalise tous les autres. Car pour les pensions au-dessus de 2000 euros, c'est la double peine. Augmentation de la CSG et des indexations. Au total, le retard des pensions sur l'inflation en 2018 et 2019 s'élève pour eux à 2,6%. Et si l'on s'en tient aux prévisions pour 2020 de 1,1%, il sera au total de 3,5%. Ajoutez à cela l'augmentation de la CSG, la dégradation des services publics et de l'hôpital public, si précieux pour les retraités et les personnes âgées, vous comprendrez que tous les retraités ont des raisons d'être accompagnés. Et la réforme annoncée ne les rassure pas, bien au contraire. L'une des affirmations les plus fréquentes dans les propos des défenseurs de la réforme concerne la recherche de l'équilibre financier des comptes de la retraite et de la sécurité sociale. Or, cet équilibre n'est aucunement menacé. De l'avis même du Conseil de l'impression des retraites qui évalue de 7 à 15 milliards en 2025 le déficit de la sécurité sociale. Il suffit de rappeler que dans 4 ans, la dette sociale soit remboursée et que 17 à 20 milliards seront ainsi disponibles pour combler un éventuel déficit. Et que les fonds de réserve pour les retraites s'élèvent aujourd'hui à 127 milliards. Rappelons également la promesse d'Emmanuel Macron de ramener le chômage à ce qu'il était en 2008, soit un recul de 2,6%, ce qui ferait 2,5 milliards de cotisations sociales supplémentaires par an. Rappelons également que l'égalité salariale entre femmes et hommes représenterait 6 milliards de cotisations par an. Mais ce qui enlève toute crédibilité à cette justification de l'équilibre financier, c'est que le projet se propose dans le même temps de réduire sensiblement les ressources de la sécurité sociale, après avoir refusé d'ailleurs de revenir sur les exonérations de cotisations accordées aux patronats qui se chiffrent à près de 100 milliards par an. Prenons un exemple. L'une des dispositions applicables rapidement exclut les hauts salaires du régime actuel de solidarité. Dans le système actuel, les hauts cadres des grandes entreprises peuvent cotiser jusqu'à 8 fois 8 plafonds de sécurité sociale, soit 324 000 euros par an. Le projet de loi prévoit que les cadres qui gagnent plus de 120 000 euros par an ne cotisent plus pour la retraite au-delà de ce seuil. Il sera sorti du régime commun. Seule une cotisation solidaire qui ne crée pas de droit à la retraite supplémentaire de 2,8% sera prélevée sur la partie du salaire excédant le seuil de 120 000 euros. Ils y gagneront certes un salaire net, mais ils perdront en pension de retraite, ce qui les incitera à acquérir les produits financiers de l'épargne retraite aujourd'hui désormais financiarisés. Un encouragement évident à développer en France le système de retraite par capitalisation. Cette mesure appliquée au salaire, au haut salaire, avec un seuil qui pourra ensuite d'ailleurs être abaissé, a plusieurs conséquences. Cette mesure occasionnera la perte de 4,8 milliards par an de cotisations, soit au total 72 milliards que le régime général, c'est-à-dire nous tous, devront compenser. Ajoutons qu'en France, les revenus financiers se sont élevés en 2018 à 298 milliards, ça fait beaucoup de chiffres, mais il est plus inutile de les rappeler, et qu'aucune cotisation n'est prélevée sur ces sommes, sachant, rappelons par ailleurs, que l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, a été supprimé, et que la taxation des revenus du capital a été limitée à un taux forfaitaire de 30%. Mais le plus inquiétant est à venir. Le projet de loi prévoit en effet de limiter à 13,8% du produit intérieur brut, c'est le taux actuel d'ailleurs, les dépenses liées aux retraites. Or, chacun sait que le nombre de retraités va augmenter sensiblement et que les possibilités de croissance sont limitées. Cette disposition signifie qu'il faudra envisager une réduction de l'ensemble des pensions. Et il ne sera plus indispensable de réformer à nouveau, car cela met beaucoup de monde dans les rues. Le dispositif prévu par le projet de loi automatisera l'ajustement du niveau des pensions aux exigences budgétaires du mouvement. La diminution programmée des ressources de financement des retraites pour faciliter la voie au système de capitalisation aura nécessairement un impact sur le financement des retraites actuelles. Par ailleurs, une nouvelle fois la loi Grand Âge est reportée, alors que la situation des secteurs de la perte d'autonomie est catastrophique, aussi bien pour les personnels que pour les personnes concernées, et sachant que, pour l'instant, aucun projet de financement n'a été clairement établi. Vous comprendrez que, là encore, tout cela nous mobilise, et c'est ce que nous allons faire. Vous avez autour de cette table les représentants de 9 organisations de retraités, 7 syndicats et 2 associations.
Nous agissons d'un commun accord depuis 2014 sur une base sérieuse de revendications communes. C'est une originalité remarquable dans le paysage syndical français et nous allons la poursuivre. Nous allons continuer à revendiquer pour nous, nos enfants et petits-enfants, un, le retour à l'indexation de toutes les pensions sur l'évolution des salaires. Une mesure immédiate de revalorisation de toutes les pensions et de rattrapage du pouvoir d'achat perdu. L'annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités. Le maintien et le développement des services publics de proximité. Aucune pension inférieure au SMIC. La promulgation d'une loi ambitieuse pour une véritable prise en charge de la perte d'autonomie. Nous allons continuer d'agir. Nous avons adressé une lettre ouverte au président de la République pour laquelle nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons adopté le 21 novembre un manifeste que nous diffusons en ce moment. Nous allons adresser un courrier aux candidats aux élections municipales, leur demandant de prendre position sur leur revendication. Nous allons enfin diffuser massivement un tract sur le pouvoir d'achat des retraités et un autre sur le nouveau report inacceptable de la loi Grand Âge. Voilà ce que nous souhaitions vous dire, et nous sommes prêts, évidemment, à répondre à vos questions. Il y a plusieurs moyens que vient de développer mon camarade, mais nous avons donc dans l'immédiat, puisqu'on va être en période électorale municipale, adressé une lettre aux candidats. On avait déjà écrit le maire autant, mais bon, on n'a pas eu énormément de réponses non plus, mais quand même. On en avait un certain nombre qui soutenaient les revendications des retraités, en particulier une revalorisation. Là, on va s'adresser aux candidats d'élection municipale, en leur rappelant quelles sont nos inquiétudes, en leur demandant de revenir sur l'indexation et de rattraper le retard perdu, si je peux dire, et puis également de faire le nécessaire, tout ce qu'ils peuvent, pour, je dirais, améliorer la qualité de vie des retraités, attirer leur attention sur les difficultés de fonctionnement des structures de sanitaires de leur ville ou de leur commune, et puis, bien sûr, réclamer une meilleure prise en compte des intérêts des retraités. Alors, cette démarche, dire, tombe évidemment au moment des municipales, et on espère bien qu'on aura des réponses, dont on rendra compte. C'est pas lié à la réforme des retraites. C'est pas du tout lié à la réforme des retraites. Non, pas spécialement, mais c'est pas le seul sujet sur lequel on intervient. Parce qu'on sait très bien que les candidats municipales vont nous répondre, oui, mais enfin, ça, c'est la structure nationale, nous ici, localement, etc. Tout ça. Mais ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est que un retraité, une personne âgée, peu importe, on ne le saucissonne pas. Avec ses difficultés du point de vue financier, du point de vue du logement, du point de vue de l'accès aux soins, elles sont liées aussi bien aux structures locales qu'aux structures nationales. Je dirais que d'une manière générale, il y a quand même une inquiétude qui se diffuse à travers tout le pays sur le projet de loi de réforme des retraites qui est palpable et dont peuvent rendre compte, y compris des responsables de la majorité actuelle. Je peux comprendre qu'ils ont beaucoup de mal maintenant à afficher leur badge, leur logo sur leur profession de foi. Enfin, ceci étant, c'est pas ça qui nous arrêtera pour les questionner et leur demander, bien sûr, de prendre en compte les intérêts des revendications. Je vais intervenir sur deux points. D'abord, je crois que Pascal a commencé en disant que les retraités sont très nombreux dans les manifestations, ça se évident. Vendredi dernier, à Paris, nous avons un de nos militants, FSU, je parle de nos militants, qui a été retraité, qui a été interpellé, mis en garde à vue pendant 23 heures, et puis déféré comparution immédiate, avec simplement un rappel à la loi. Mais pour quelle raison, savez-vous? Parce qu'il avait refusé de retirer son badge en quittant la manifestation. Alors, quel badge? Le badge FSU, enfin le badge syndical. Enfin,
ce que l'on dit et redit, hein, parce que ça c'est arrivé à un militant FSU, c'est arrivé à beaucoup d'autres militants syndicaux, c'est que hein, depuis notamment le 1er mai, le pouvoir s'en prend aux responsables syndicaux, aux cortèges syndicaux. Et deux, c'est que faute de convaincre, hein, faute de convaincre, eh bien, il réprime, il fait peur, parce que là, mettre un retraité 23 heures en garde à vue pour avoir refusé de retirer son badge, c'est l'intimidation. C'est, bon, vous voyez ce qu'il hein, ne venez pas manifester, parce que, etc. Donc, ça, c'est quand même un procédé. Le deuxième point, c'est évidemment le report de la loi grand âge, parce que nous sommes sept ici à siéger au Conseil de l'âge, une instance qui s'intéresse évidemment au Conseil de l'âge, sauf que nous sommes, cette instance est tenue quand même à l'écart, c'est à chaque fois le président et les responsables syndicaux que nous sommes qui demandons, c'est nous qui avons demandé à ce que M. Libourg, qui a présenté le premier rapport qui devait être le début de la loi à venir, donc, au dernier conseil de l'âge, à la dernière séance, la semaine dernière, nous avons fait une protestation, donc nous avons diffusé cette déclaration, et le Haut Conseil de l'âge a repris notre, non pas notre colère, mais notre mécontentement et notre inquiétude, parce que c'est quand même une loi qui est présentée comme la grande loi de la C'est les retraités, c'est quand même une loi qui est très attendue, il faut comprendre ce qui a été dit. Le reste à charge en EHPAD, en moyenne, c'est 2000 euros. En plus, quand on additionne toutes les ponctions sur le pouvoir d'achat, vous voyez, c'est pour ça que c'est difficile. On ne peut pas non plus séparer en tranches, parce que c'est de 7, 7 minutes. Une vis de plein fouet. Oui, je voudrais intervenir sur un point qui aussi concerne les retraités, c'est la question de vouloir contraindre le budget accordé aux retraites à 13,8% du PIB. Ça, c'est ce qui est affiché dans le rapport de Levoy, etc., et que le gouvernement semble suivre. Alors, quand la conférence de financement va être installée, donc, Edouard Philippe a fait une conférence, mais on peut expliquer comment il est installé. Et donc, ce qu'il a fixé en particulier, je vais vous donner une de ses phrases, donc je la lis. Donc, les mesures destinées à rétablir l'équilibre ne devront entraîner ni baisse de pension pour préserver le pouvoir d'achat des retraités, ni hausse du coût du travail pour garantir la compétitivité de notre économie. Donc, je vais vous intéresser uniquement sur le premier terme, c'est-à-dire sur l'affichage qui est donné par le gouvernement sur le fait que les pensions ne baisseront pas, mais au contraire, qu'eux-mêmes, elles pourraient progresser. Or, si on fait un petit calcul assez simple, qui consiste à reprendre, y compris ce qui se trouve dans ce que le corps publie, c'est-à-dire pour l'année 2018, par exemple, la part consacrée, enfin les 13,8% du PIB, représentait 320 milliards d'euros. Il y a 16 millions de retraités. Si on fait une petite division assez simple, qui consiste à diviser 320 milliards par 16 millions de retraités, on trouve 20 000 euros. 20 000 euros, ce qui correspond en fait à la pension moyenne consacrée aux retraites, tout droit confondu, c'est-à-dire direct et dérivé. Et donc, c'est ce qui aujourd'hui est versé en moyenne pour les retraites. Là-dessus, si on se projette sur les 10 ans qui viennent, c'est-à-dire 2020-2030, le nombre de retraités va augmenter au bout de 10 ans de 16%. C'est-à-dire 1,5% par an. Le PIB, dans les calculs que fait y compris le corps, consiste aussi à dire que ça sera aussi dans ces eaux-là. C'est-à-dire aussi 1,5%, etc. Donc 16% au bout de 10 ans. Ce qui fait que le taux d'augmentation, aussi bien de la part du PIB consacré aux retraités et le taux d'augmentation des retraités, ça sera le même. Ce qui fait que si on refait la même division, on va retrouver le même chiffre. C'est-à-dire 20 000. C'est-à-dire avec ces perspectives-là, il y aura, on a 20 000 en moyenne aujourd'hui consacrés aux pensions de retraite, dans 10 ans, on aura exactement le même chiffre. Et c'est pour ça que dire que ce qui est donné comme but, disons, à la future conférence de financement, et y compris à la future caisse de retraite qui doit se mettre en place assez rapidement,
c'est de faire en sorte que le pouvoir d'achat des retraités ne soit pas amoindri, c'est une vaste fumisterie. Oui, je voulais dire un mot, je ne veux pas renouveler ce qu'ont dit les collègues des autres organisations, puisque si nous sommes là, c'est que nous sommes tous d'accord. Je voulais signaler un point qui vient d'être porté à ma connaissance par la fédération à laquelle j'appartiens, en plus la caisse de retraite des collectivités locales. Je me suis aperçue qu'il y a eu une déclaration du président de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales qui est intervenue, qui n'est pas du tout satisfait non plus décision, parce qu'on a l'impression qu'on veut récupérer l'argent des caisses aujourd'hui pour les mettre dans la caisse universelle. C'est quand même un problème, donc on va chercher de l'argent dans des caisses de retraite différentes pour essayer d'égaliser, de mettre tout le monde à égalité. Donc là, il y a de quoi s'inquiéter. Le président a une bonne réaction aux décisions qui sont prises par le gouvernement. Union CFE-CGC, la petite camarade CFTC parlait donc des caisses. Et là, nous sommes fortement concernés en tant que cadre, puisque nous sommes dans le privé, en complémentaire chez l'ARPO. En effet, jusqu'à présent, en fait, ces complémentaires du secteur privé ont été pilotés en bon père de famille, en fait, par les organisations syndicales pour assurer des réserves. Et l'avenir du versement, en fait, de nos retraites, des retraites à la fois pour nous, actuellement retraités, mais aussi pour ceux qui vont arriver, en fait, à la retraite. Rappelons justement cette gestion en bon père de famille. Un exemple, la GIRC. En 2011, en fait, n'a pas eu d'indexation. Jusqu'à présent, jusqu'à en fait, novembre 2019, en fait, il y a eu une sous-indexation de 1% sur les complémentaires. Tout cela, en fait, pour avoir des réserves et pour se projeter sur l'avenir et avoir une retraite décente. Alors là, vous le savez, maintenant, avec ce système de redistribution de complémentaires qui vont se retrouver dans un régime universel, nous sommes très inquiets quant à l'avenir. Résumé, au-delà des différences entre nos organisations sur la retraite à points, il y a trois sujets sur lesquels on est d'accord et on s'oppose à cette réforme. Le premier, c'est que dans la réforme, il est bien prévu que la revalorisation des pensions va avoir lieu sur l'inflation. C'est exactement ce qui se passe actuellement et on constate que ce n'est pas respecté, alors que c'était une grande promesse du président Macron. Ce suivi sur l'inflation, ça fait perdre environ 0, presque 1% par an de décalage par rapport au salaire moyen. Et surtout, on s'aperçoit qu'elle n'est pas respectée avec le cumul des gels de pension, des moindres revalorisations et de l'augmentation de la CSG. On a perdu depuis 2013 environ 5%, ce qui correspond à un demi-mois de pension, ce qui est quand même phénoménal. Le deuxième argument sur lequel on s'oppose à cette réforme, c'est la part de PIB dont Jacques a détaillé. Je pourrais résumer en disant que la pension moyenne d'aujourd'hui, c'est la part de PIB divisée par le nombre de retraités. En 2030, ça sera une part de PIB éventuellement augmentée de 16% si la banquise ne fond pas et si l'Australie ne brûle pas et si la croissance continue. Et ce sera, ça, de façon sûre, une augmentation du nombre de retraités de 16%. Donc ça veut dire qu'en 2030, on aura exactement le même montant en euros que celui d'aujourd'hui, ce qui représente quand même une baisse très importante. Et le troisième argument, ce sont les économies que le gouvernement va réaliser d'ici 2025 et faire en sorte que les comptes soient équilibrés. D'ici là, lui, son pronostic, c'est de dire pour faire des économies, c'est simple, il ne faut pas que les gens prennent leur retraite. Donc on repousse de plus en plus l'âge de départ, soit en l'imposant, soit par des impositions financières. Mais il est fort probable que, contrairement à ce que dit M. Macron, la baisse des pensions sera effective. Moi, je représente LSR, Loisirs, Solidarité, Retraité. Alors vous allez me dire, une association de loisirs, qu'est-ce qu'elle fait dans cette galère? C'est pas une galère du tout. C'est parce qu'on est à fond avec les 9 associations depuis le début, pour défendre le pouvoir d'achat des retraités. Pourquoi? Parce que sans pouvoir d'achat, on ne peut pas faire prendre part à nos activités de loisirs, de culture qu'on propose, même si on organise pour eux et pour les faibles retraites, au travers les bourses solidarité, vacances, des séjours par exemple à 250 euros au travers différents partenaires sociaux,
de tourisme social. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec les baisses de pensions, il y a de moins en moins de retraités qui peuvent participer à nos activités. Ça augmente de plus en plus. Et là, on le voit là, dans la dernière période avec les baisses de pouvoir d'achat dites par mes camarades et collègues autour de la table. Donc, on sait que pour vieillir en bonne santé, le lien social, quand on est coupé de l'activité professionnelle, l'accès aux cultures, aux loisirs, le contact avec les autres, c'est très très important. Et là, avec ce qui se passe, notre association, y compris, est remise en cause à brève échéance. Si, parce que c'est sûr que les retraités, en premier, ils vont essayer de se nourrir, de se loger, de se vêtir, d'aider les petits-enfants et les enfants. Et que de moins en moins, ils auront accès à ce qu'on... Enfin, ils pourront avoir accès à la culture, au loisir, qui est quand même un droit que toutes les organisations syndicales défendent autour de cette table. Voilà. Après, c'est là.